Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. C'est parti pour une vidéo à Lidl et nous sommes lundi 11 juillet 2022. Alors aujourd'hui, couture, loisirs créatifs et bricolage. Cache-téton, donc c'est un lot de 6 et 2,99€. Alors c'est pratique, comme le porte... Il porte si bien son nom, donc en fait ça sert à cacher les tétons si vous ne mettez pas de soutien-gorge. Et donc il y a plusieurs formes, 2,99€. Je sais que c'est un article qui est très recherché, surtout pour l'été. Ensuite, on reste dans les soutiens-gorge avec les rallonges de soutien-gorge. Alors pensez-y, parce que parfois on peut prendre une petite taille et au lieu de changer les soutiens-gorge, on peut rajouter le... Les petites rallonges, je pense surtout après une grossesse, au lieu de refaire tous ces soutiens-gorge, on peut utiliser ce genre de rallonge de soutien-gorge, ou parfois il y a des soutiens-gorge qui sont mal taillés, donc ça arrive, donc si on en a acheté un et on n'a pas envie d'aller changer, ou le bonnet ne correspond pas, mais la taille, enfin la taille ne correspond pas, mais le bonnet correspond, donc on peut utiliser ce genre de rallonge de soutien-gorge. Ruban élastique. On a les coussinets pour soutien-gorge. Pour soutien-gorge et maillot de bain. Alors on a plusieurs couleurs. Rallonge bouton. Ça doit être pratique aussi. Donc justement, si on a pris une petite taille et qu'on n'a pas envie de changer ses pantalons, jupe, on peut rajouter ce petit rallonge bouton. Moi je trouve que c'est des petits trucs sympas, bon c'est 2,99€, mais au lieu de racheter voilà pantalon, soutien-gorge, ourlet thermocollant, c'est aussi pratique, pas besoin de couture, donc ça peut être pour faire un ourlet hein, de pantalon, jupe, ou aussi pour les rideaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah voilà, je crois que j'ai fait le tour. Tiens, ça c'est, je ne vous l'ai pas montré hier, pourtant il était en rayon, j'ai oublié, c'est un testeur de piles. 4,99€, donc pour savoir si vos piles sont encore bonnes ou pas. Les forêts, 2,99€. Donc il y a pour le bois, les mèches à bois, les mèches à pierre. Et les forêts à scie. C'est des forêts, quoi je veux dire. Donc mèches et forêts. Pousse pour table à repasser. Les piles boutons, 1,49€. Donc vous vérifiez bien le modèle. Les assortiments de petites pièces, 2,99€. On a les crochets Python, les rivets, les colliers de serrage. Il y en a 26, différentes tailles. Et on a les gaines thermo rétractables et les joints. Le set balai et seau, 26,89€. Donc plus besoin de mettre ses mains dans l'eau pour essorer. Le seau va le faire tout seul grâce à la pédale. Donc comme ça, ça évite déjà de se baisser, d'avoir les mains dans l'eau. Aspirateur, 54,99€. 850 watts, donc 100 sacs. Pile rechargeable, 3,99€. Alors celle-ci, on ne les avait pas vues hier, donc il y a les 3A, et puis il y a celle-ci. Accessoires de nettoyage, 2,49€. On a le goupillon pour les radiateurs. On a ça pour les vitres. Ça pour la vaisselle, serviette de plage à l'effigie de Lidl, on a celle-ci et celle-ci, elle fait 85 par 1,70 m. Les isolations de fenêtres,
19,99. Donc ça permet d'avoir une ouverture pour passer le tuyau de la clim. Les poubelles doubles, 6,89. Alors d'où, parce qu'il y a ce support là pour pouvoir mettre deux sacs, sinon vous pouvez mettre un grand sac. 44 litres. Les accessoires de couture, 1,29€. On a les aiguilles pour machine à coudre, les bobines de fil, les élastiques. Ces fils à coudre. Les écussons thermocollants. Donc si vous avez un petit trou, si vous avez envie de mettre de la couleur, hein, je regarde, il y a que ça. Oui. Le crayon et craie de tailleur. Les aiguilles à laine. Les bobines de fil. Les boutons pression. Les aiguilles. Les sacs en toile, 3,99€. Le set de forêt burin ou mèche pour perforateur. 12,99€. Là, et puis on a le set de bois, le set de mèche à spirale. Le support de perçage, 21,99€. Nécessaire de couture, 5,99€. Dans cette boîte, il me semble, voilà, il y a celle-ci. Et après, on a aussi le nécessaire de couture de voyage. 6,99€. On a celui-là dans une petite boîte en métal. Crayon de couleur, 3,99€. Tiens, hier, on n'avait pas vu l'étoile. Et puis, on a, c'est par lot. Donc, on a celle-ci, les 25 par 30, il y en a 3 à 4,99€. Après, on a celle-ci, c'est les 40 par 40, il y en a 2. Puis, on doit avoir celle-ci qui est une 50 par 70, 4,99€. Les boîtes à outils, 5,99€. Donc 3,99€ les albums de scrapbooking, 34,5 par 29, il y a 40 pages blanches. Corbeille à linge, les blocs de papier dessin, 2,99€ et le set de douille, 84,99€. Les vernis teintés, 2,99€. Alors on a vu qu'il y avait du vert jaune, du blanc brillant, du gris brillant et du rouge brillant. Le set de pinceaux avec étui, 4,99€. Donc poils synthétiques. Je crois que l'une de vous justement m'a demandé. Donc c'est poils synthétiques. Pour celui-là. Après on a ceux-là, c'est du poil naturel. Alors. Idéal pour peinture à l'huile, pour peinture acrylique, parce qu'il y en a un troisième, non, il n'y en a que deux. Donc peinture acrylique ou peinture à huile. Les mallettes de coloriage, 9,99€. Donc on a les petites... Ah bah non, il y a les petites licornes. Alors hier, il y en avait une ouverte. Voilà. Et puis on a la bleue. Je crois qu'à l'intérieur c'est exactement la même chose, c'est juste la boîte qui change. La peinture, 4,99€. Donc on a de la peinture acrylique et de la peinture à huile. Et de la peinture aquarelle. Les shorts de bain Lidl pour aller avec la serviette de plage. Hein.
Donc c'est des tailles hommes. Poste à souder inverté, 99,99 €. Et les marqueurs à t-shirt, enfin à tissu, donc textile, que ce soit t-shirt, sac, coussin, casquette, 4,99 €. On a les paillettes pour le textile et les 3D. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à plus tard.